You know, I got up the metro in, where is it? Telegraph. Okay, so this is where we are, Telegraph. Right here. And, well, more or less like this whole area is the 18th, 19th, and 20th districts are, you know, deemed the least safe in Paris. And so, well, I'm right in the middle of it. Well, where to go from here? I have no idea. So yeah, I mean, you're seeing more and more Arabic loan words in the French language. I mean, this is just the beginning, right? So it's like wallah, inshallah, stuff like that. Alhamdulillah. And well, I'm just curious to see, like, in 50 years, like, how French is gonna sound, because, well, there's a lot of words that even now that you know, have their origin in like the suburbs and like immigrant communities, and now it's used by everyone. Okay, this looks like a nice place. So I was just walking down this street, and a normal street. And as you can see here, there's a nice little like space. I guess this is the Coulée Verte. So this is it. This is my first time actually stepping foot in this place. So yeah, as you can see, this used to be like, oh, a rat. But yeah, this used to be like train tracks. But okay, I know nothing about the history, but they stopped using it. It's kind of like The Walking Dead now. There's sort of a tunnel and you walk into the unknown. Quite a few people, like, in as you can see, but this is a really nice place. And right here you've got some homeless territory. I really want to go there, like on the other side of this tunnel. You can see there's some light at the end of the tunnel. Literally. But yeah. No. Je me promène. Ah, tu te promènes, t'admires un peu. Exactement. Bah, je filme, je me promène. D'accord, ok. Ouais. Toi, tu fais quoi? Tu promènes ton chien? Ouais, je promène le chien, ouais. Okay, ok. T'habites dans quoi du coup? Ouais, j'habite au... Oh non! Ok, c'est pas loin ça? Moi, je suis pas du coup. C'est juste derrière. Ah, ok. Là, je suis en train de filmer, ça te dérange pas? Non, ça me dérange pas. Ouais, ok. Tu bois quoi là? Là, il me dort. Amsterdam. Monte ta caméra, voilà. Amsterdam, 8 degrés. C'est une légère. 8. Désolé, j'ai pas mon masque, frérot. Ah non, mais t'inquiète, pas de problème. T'as pas une cigarette des fois sur toi? Non, je fume pas. Tu fumes pas? Non. J'ai oublié de mettre à la maison. Ouais, désolé. Donc, fais le chemin ensemble si tu veux. Vas-y. Tu fais des vidéos comme ça pour voir un peu. Ouais, je présente Paris. Voilà. Ok, ouais. Enfin, Paris, enfin, je voyage un peu ici. Ouais. Et là, vu que je suis à Paris en ce moment. Voilà, je filme un peu, je montre les quartiers intéressants, tout ça. J'essaie de parler aux gens. Ouais. Comme toi. C'est pour le faire découvrir. Ouais, exactement. Des gens qui sont pas à Paris, tu sais. Ouais, bah ouais. Et toi, tu le trouves comment, ton quartier, là? Parce que je connais pas du tout, en fait. Quartier, je trouve calme. C'est calme. Calme par rapport à une époque. Ouais. Parce qu'à une époque, il était assez perturbant, le quartier. Perturbant comment? Perturbant, il y avait assez de... de la bicrave, tout ça. Ah, ok. Ouais, c'était la cité un peu, tu vois. Ouais, c'était plus dangereux, quoi. Ouais, c'était un petit peu plus dangereux que ça.
Et là, depuis une dizaine d'années, ça s'est calmé. Ah, ok. Et pourquoi ça s'est calmé? C'est la population qui a changé ou quoi? Ou genre l'état? C'est la population, l'état, tu vois, ça, c'est un peu des deux. Ouais. C'est un peu des deux. Il y en a qui sont partis en prison, tout ça. Ah, ok, ça a vidé un peu le quartier. Ça a vidé un peu le quartier. Ah, bah c'est cool ça. Au moins un endroit où l'état fait bien son travail. Ouais, voilà. Ok. Du coup, il y a quoi d'autre? Je me rappelle que c'est quand même de pas aller par hasard. Ouais, c'est gentil. Oh. Il est gentil? À qui t'as? Je taxe une cigarette, me filme pas. Hein. Ah non, t'inquiète. Je filme le chien. Gentil, merci. Akita Kendis. Alpha male. Moi, chef, je vais prendre du feu avec lui. Je vais tout conduire à la maison. I love Akitas, their personalities. They're like quiet and reserved and never howl. So yeah, kind of like my version of dogs. C'est pas chinois? Non, c'était de l'anglais ça. C'est de l'anglais? Ouais. Ouais, c'est du chinois? Désolé. This is not Chinese. English, American English. Ça veut dire quoi? J'ai dit c'est pas du chinois, c'est de l'anglais américain. D'accord, ok. Quand même, t'arrives à départager quand même le chinois et l'anglais. Ouais, le chinois et l'anglais, ouais, j'arrive à départager, mais là c'est parce que j'ai pas fait, j'ai écouté vite fait. Tu vas aller voir là-bas, viens, on va voir là-bas si tu veux. Mais on peut pas rentrer là, j'ai on essayé. On peut pas rentrer, non, on peut pas rentrer. Là, j'ai été. Ah, t'as déjà été? Ouais, j'ai filmé vite fait. Bon, du coup, il y a quoi d'autre d'intéressant à voir dans le quartier? Dans le quartier, il y a plein de trucs d'intéressant à voir. Tu regardes les rues, là, il y a des dessins sur les murs, tout ça. Ok. Bon, ça m'intéresse pas trop. Quoi d'autre? Après, il y a une petite ruelle, là, si tu pars par là-bas. Là, sur la droite? Ouais, sur la droite. Ok. Attends, je dois avancer un peu. Ouais, cool. Je vais te montrer une petite ruelle cachée. Ouais. Ok. Il n'y a personne qui passe pratiquement. Cool. Bon, on va voir ça. Ouais, right, let's see. Oh. I've never seen this car model. Wow, cool. Oh. He is attracted by some alcoholic beverages from the looks of it. Or he knows the guy. Là, c'est l'épicier du quartier, là. C'est de quoi? Ah, l'épicerie? L'épicier du quartier, ouais. Ok. Là, tu le connais, le mec? Ouais, il est super gentil. Ah, cool. Ok, tu vois bien en plus avec. Ouais. Salut, toi. Et toi, tu fais quoi sinon? Je travaille dans un café avant. Moi, je suis serveur barman. Comment t'as su? Hein? Comment t'as su? Je suis psychique. Ça va les frérots, tranquille? Ça va les amis? Salut. Tranquillement? Ouais, ça va, ça se passe. Ça va pas, toi? Non, j'arrive à lire dans les pensées des gens. Ah ouais? Ouais. Pour de vrai? Tu connais pas? Sixième sens, tout ça. Clairaudience, clairvoyance. T'arrives à voir dans les pensées des gens. C'est, ouais, enfin c'est très rare, mais je le dis jamais parce que c'est bizarre, mais ouais, ça, j'avoue, c'est bizarre, ouais. On appelle ça la clairaudience, les capacités, tu vois. Ok, ouais. Bah, moi, je l'ai jamais vu, donc ça va être intéressant. Eh ben tiens, tu vois, tu vas découvrir quelque chose grâce à moi. Je te remercie. Normal, mon frérot. Non, la cigarette, elle s'est éteinte.
T'as du feu? Moi j'en ai pas. Normalement j'en ai normalement. Quand t'as des silex, tu peux les prendre pour faire du feu. Ça va prendre 3 heures mais... Là là, le passage. On va juste un peu plus ici là. Vas-y, je t'en prie. Ok. Merci. Il y a plus de personnes qui le prennent. Mais tu vois, des dessins sur les murs là. Des nuages. Des nuages, comme ça. Ok. Il y a ça que je peux te montrer, il y a quoi d'autre que je peux te montrer. Ah bah c'est cool. Non, j'ai perdu mon feu. Bah c'est un petit coin sympa, tu vois. Ouais. Tu vois, monsieur, vous n'aurez pas du feu par hasard s'il vous plaît. Quoi? Vous n'aurez pas du feu par hasard s'il vous plaît. Ouais, c'est cool, je viens de prendre ma cigarette, vêtement. C'est cool, merci chef. Ah, de rien, je vous prie. Bonne journée. Donc voilà, là c'est un petit coin tranquille aussi où personne ne prend. Ouais, je vois ça. C'est quoi le bâtiment là, ici? C'est une école pour primaire. Ah, ok. T'as l'école pour primaire. Ouais. Plus loin, t'as une bibliothèque. Ouais. Et après, t'as un lycée. Ok. Et tout ça dans la même rue. Dans la même rue. Dans la même rue, ouais. Oh, un petit wesh. Bon bah c'était cool. Bah t'as, voilà. T'as rien d'autre à me montrer. J'ai rien à te montrer là. Ok. Ça c'est le plus beau que t'as dans le quartier. Pas le plus beau. Plus intéressant, hein. Je veux pas dire. Pas le plus beau. On va dire le coin le plus discret du quartier. Ah, le plus discret, ok. Ok. Tu t'appelles comment déjà? Kevin. Kevin? Ouais. Ok. Moi c'est Kay. Kane. Kay. Ouais. Kay. Enchanté Kay. Enchanté. Non, on va plus loin là-bas si tu vas en okay, bas. Ok, ok. Cette rue-là? Si tu vas en bas, ouais. Vas-y. On n'a pas beaucoup qui la prennent cette rue-là. Cool. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Bon, il n'y a que des habitations, il hein. n'y a rien d'intéressant après. Ok. Ben, rien d'intéressant, tu peux éteindre la caméra, je pense. Ouais, je vais laisser tourner au cas où. T'as des beaux bâtiments après, tu vois. Ouais, je vois ça. Et ton chien, il s'appelle comment? Filou. Filou. Ouais, Filou. Là, c'est Filou. C'est toi qui l'as baptisé? C'est ma grand-mère qui l'a baptisé. Ah, ta grand-mère, ok. Cool. Filou, il s'appelle. Il s'appelle Filou. T'aimes bien son nom, Filou? Ouais, je c'est joli. Je trouve ça marrant. C'est mignon. Ça lui va bien, surtout. Ouais, j'avoue. C'est un petit Filou. Parce que là, tu le vois pas, là. Il se promène tranquille. Mais c'est un petit Filou, sinon. Ça veut dire quoi, Filou? C'est un Filou, c'est un petit Filou. Un peu fou. Ah, un peu fou. Ok. Là j'ai plus rien à te montrer mon pote hein. T'es sérieux? Ouais. Mais si t'étais mon guide, si t'étais ouais. un guide officiel du quartier, qu'est-ce que tu montrerais? À part ces deux sublimes passages que tu viens de me montrer. Waouh. Genre si tu vas trouver des endroits genre c'est intéressants. C'est un métier ça, c'est ouais. un métier ça. Imagine je te paye un paquet de clopes et tu me montres des trucs intéressants tu vois. Qu'est-ce que tu... Si à je me montrer. Tu vois là je fais un film. Je vais te montrer le quartier de la baleine si tu veux. Quartier de la baleine, ouais ok. On peut le contourner, on va pas dedans parce que ça fait un peu. Ah ça avec craint. Ta vidéo ça craint un peu. Ah ouais. Ouais. C'est où que ça craint là? C'est là. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur là-dedans. Ok. Mais t'as déjà eu des problèmes ou Ouais ça m'est déjà arrivé. Ah ouais, ouais genre ouais. quoi? Ah, des fans. Genre des raquettes et tout? Non, non. non. Juste étrancher quoi. Genre. Ouais, qu'est-ce voilà, tu là il et tout. Faudra que tu fous là. C'est pas call by. Call by. C'est genre une résidence, c'est ça? Avec des tours? C'est plus un quartier.
Ah, un quartier. Ouais, juste un quartier qu'on veut. Ok. Bah, et du coup là on entre dans la baleine. Là on rentre dans la baleine. Dans le ventre de la baleine. Dans le ventre de la baleine, tout à fait. Comme le vieux dans Pinocchio. Enfin, ouais, Pinocchio, c'est ça. Dans Pinocchio dans Pinocchio. Pour sauver son père. Bah pour l'instant ça a l'air tranquille hein. Ouais pour l'instant ça pour va, pour l'instant. Plus si tu vas vers la gauche là-bas là. Ah ok. Tu vois. C'est un peu plus piéton. C'est quoi, c'est un collège? Ouais c'est un collège là-bas. Ouais. Il est tout petit. Il est tout petit. Hein. Attends, je te ramène. Regarde, mais tu es gentil, Rad, t'inquiète. Mais tu es gentil, Allez, c'est peur du chien. Hein. Je vois ça. Le collège, il est là. Tu fais des exposés, tout ça? Hein? Tu fais des exposés, tout ça? Ouais. Mais sur internet, tu vois. Ok, d'accord. Du coup, des gens du monde entier vont te voir. Ah ouais, je vais avoir du succès. Ah ouais, tu vas être connu. Je vais être populaire. Tu vas être le prochain Jean-Pascal. Oh, ça c'est une église, cathédrale. Ouais, bah je vais te montrer l'église si on va y aller. Nous on va par la droite, c'est par la droite là. On va aller voir. C'est ça l'église. L'église de Ménilmontant. Ça va passer par le parc. Là c'est par les Merci. Enfants là. Merci. Ok. C'est les enfants qui jouent là. Bon là il n'y en a pas beaucoup. Je viens pas ici parce qu'il y a des enfants. Ouais t'es pas un enfant. Là. Ouais. Bah t'es pas un enfant, tu viens pas ici. Ouais et puis si je viens c'est pour fumer ou quoi et Ah ok, et tu viens pour fumer. Les enfants. Ok. C'est pas bon pour les enfants, j'aime pas. Bah oui, normal. Même pour mon chien, regarde, il fait pipi dessus, les enfants se prennent dessus, c'est pas bon. Ça va chef, tu vas bien? Tranquille? Ah, tu le connais? Non, mais je dis bonjour, bonjour à tout le monde. Bien, moi. Ok. J'ai déjà le croisé de vue. Ah. On va faire toute l'église. Ça marche. Tu me passes 10 euros après, Florent. Hein? Tu me passes 10 euros après. Ok. Ouais, c'est gentil, merci. Tu vas? Ouais, c'est gentil, merci. Notre-Dame de la Croix. Ouais, c'est ça. T'es déjà allé dedans? Je suis déjà rentré dedans une fois, quand j'étais jeune. Ouais. Mais je suis plus rentré dedans après. Pourquoi? Bah parce que je suis croyant moi mais je pratique pas. Ah d'accord. Donc je vais pas dans les églises, dans les mosquées, dans. Ouais. C'est des juifs là, comment on appelle ça là? Les juifs? Les Les merdes. Je me rappelle plus du nom. Putain j'ai oublié moi aussi. Oh, on s'en fout de toute façon. Ça va me revenir. Et ça filme le son ou que les paroles ou que la vidéo? Ouais non les deux. Les deux? Ouais. Son et vidéo. Ouais. Là, on est en 2021. Hein. Ouais. Ça c'est fait vrai. Les deux. Ouais. Bon voilà, c'est juste ce que j'ai à raconter mon frérot. Ok. Tu me conseilles d'aller dans quelle direction? À partir d'ici. Plus vers là-bas. Vers là-bas, ok. Tu vas retourner dans les quartiers Belleville, tout ça, tu vas trouver des trucs intéressants. Ah, Belleville, c'est là? Ouais, c'est pas là-bas, Belleville. Okay. Tu prends là-bas, ouais. Tu prends à droite. Ok, parfait. Merci mon frérot. De rien. Bah, merci Donc, à toi. Je te dis, merci à toi. C'est gentil. Tu prends par là,
Vas-y, merci encore, hein. C'était très sympa. T'inquiète, c'est normal. Bah merci, hein. Et merci, bonne journée. Vas-y mon ref. Ciao. All right, well, that was really interesting. What a cool dude. All right, well, apparently, well, this should be the Belleville area, but I'm not sure. Because I don't see any Asians here, and Belleville is supposed to be like the Asian place. So yeah, I'm not sure it's... Excusez-moi, je cherche Belleville, c'est par où? Belleville, c'est en fait. C'est la droite. Tout droit, ouais. Tout droit. Ok. Juste, attention à toi. Hein. Pourquoi? Les coups. Ah ouais? Ouais. Toi, les. Ah non, il rigole, il y a rien. Ouais, parce que je suis asiate, c'est ça? Non, pas ça en fait. Déjà, tu vois ici, il y a des Chinois, ouais. Des Arabes qui vivent ensemble. Ah ouais? Donc, c'est la même chose. C'est des amis avant tout. Ouais. C'est pas parce que t'es un Asiate, on est pareil, mon frère, ouais. C'est le ramadan, tu vois, ouais. Y a pas de drogue, non, mais t'as compris tard ou pas? Ok, ok. Les Chinois, les Arabes, les Tunisiens, ouais. Eux deux, ils sont tous... Bref, ça va, sinon toi, t'es Chinois? Non, japonais. Japonais, ouais. Ok, welcome. Visite, merci. Ah, ok. C'est sûr. Quoi? Oh là là. Toi, t'es de quel pays? Moi, je suis Tunisien, en fait. Ah, Tunisien. Là, t'es voilà. Dans la ville... Tunisienne en fait, c'est Belleville, c'est, okay. C'est, tu vois, c'est une ville, il y avait un peu partout, ouais. Des Japonais, des Chinois, les Chinois des surtout, Tunisiens, ouais. Et tout. Ouais. Et quand vous voyez, c'est le moment du ramadan, ouais. Tu vois, on nous sommes venus pour acheter des ouais. Briques, des makros, des trucs comme ça. Pour le soir. Hein? Pour le soir. Pour le soir, voilà, okay. Ouais, pour l'heure du kofir. Sinon, si tu okay, vois, okay. Tu peux tout avoir aussi, il y a d'ambiance, il y a ouais. Plein de monde. Par là, c'est bien. Ouais, il y a les mosquées ici. Ok. C'est pas une grande chose, mais t'as vu là, il y a l'heure de comment on appelle ça, du couvre-feu. Ouais. Donc la ville, ça va éteindre. Ouais, bah oui. Les gens, ils vont fermer leur commerce, pas, c'est tout. Ouais. Sinon, moi, je vais pas te mentir, je vais préparer ma graille pour après, pour le manger, parce okay, que okay. La couleur, tu vois. Vas-y, je te laisse. Vas-y, check. Ciao. Merci, hein. Ciao, bonne soirée. Alright, what a nice dude. But yeah, apparently I should be careful here, around here. So yeah. But yeah, as you can see, that the population here is a lot more like diverse than... You know, so yeah, well, apparently it's the Ramadan, and so you know, like they can't eat like during the day. So they're all like buying stuff to eat for dinner, you know, once the what is it called? Le jeûne. But basically they can't eat like during the day. They have to wait for the sunset. And once the sun sets, they can eat and have dinner. So that's why like, everyone, all the Muslims are buying like stuff to eat for tonight. So yeah, that's pretty interesting. But yeah, I mean, according to that guy earlier that I just talked to, he told me that since it's the Ramadan, I should be fine. Like people are not gonna, you know, be active in terms of, well, basically like antisocial behavior. And so, yeah.
let's see. But yeah, as you can see, like, there's a significant portion of the population that's Muslim here. As you can see. Alright, I'm starting to see like more and more like Asian restaurants. Like this one. Or this one, or this one. And so like logically this should be the Asian neighborhood, right? Oh, wow. I mean, this is crazy for me because, well, I've never been here, right? I've never set foot in this neighborhood. So like every single like, you know, kind of, well, every single street is new for me, you know, I've never seen it. And like the entire like disposition is like unseen like in Paris, if you know what I mean. It's like the streets are unique kind of. So yeah, it's really interesting to see this. So yeah, while you still see like Muslim, you know, like Arab shops, but it's kind of like mixed in with Asian stores, kind of. So it's really interesting. Oh, there's the Eiffel Tower, like right there. Like this thing is the iron thing. And so yeah, I don't know what to say anymore. So well, bye for now.